murmura cette mélodie qu'elle composa juste pour lui. Se voit déjà la nuit chanter, les dents à s'endormir, sans crescendo, sans forte, ou de rythmes acharnés, juste des notes, de jolies notes, des paroles tendres, des paroles douces. Elle a déjà un certain âge, on n'oublie pas de le lui rappeler. Certains lui disent qu'être maman, ce n'est plus de son temps. Mais elle s'en fout de ce qu'ils pensent. Ils peuvent parler, elle chante et chantera ce beau refrain qu'elle orchestra pour son bébé. Maman se battra pour toi et verra ce que tu dors. Dors, mon trésor, dors. Dors bien tranquille, sois paisible contre mon corps. Personne ne te fera du tort. Elle rencontra un jeune médecin, genre débutant au grand sourire. Il lui lança une petite vanne sur son âge avancé. Certes, on n'a rien programmé, il n'était pas désiré. Mais peu importe, je le reçois comme un cadeau, c'est mon bébé. Madame, faudra peut-être bien envisager un examen. Il est possible que le petit ne soit pas dans la norme. Il lui sort son baratin et elle qui ne saisit rien. Il peut causer, elle dans sa tête entend sa voix fredonner. Dors bien, écoute pas le bruit et n'aie aucun souci. Maman se battra pour toi et verra ce que tu dors. Dors, dors mon trésor, dors. Dors bien tranquille, sois paisible contre mon corps. Personne ne te fera du tort. Avortement, comme c'est marrant, drôle de façon d'envisager un être humain, un don du ciel. Il parle de mon garçon, ne sait-il pas que je m'en fous? Ne sait-il pas qu'après tout, on ne parle pas de conditions ou bien de normes pour être aimé? Personne ne te fait